بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين شيخ خير شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, à savoir se préparer, avoir l'état d'esprit qu'il faut pour mieux accueillir cet invité, pas n'importe lequel, ce grand invité qui va pas tarder à arriver. Il s'agit du mois de Ramadan. Le meilleur mois de l'année, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois de l'affranchissement. Oui, c'est le mois pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala affranchit le plus grand nombre de personnes du châtiment. C'est le mois pendant lequel il pardonne le plus grand nombre de ses serviteurs. Mais ce sont ses serviteurs qui vont chercher ce pardon, cette miséricorde, qui l'auront. Mes frères et sœurs, Ramadan, il reste encore quelques jours pour que le mois de Ramadan soit là. Sommes-nous prêts, réellement? Rappelez-vous qu'on a fait une série de rappels depuis quelques semaines par rapport à la préparation du mois de Ramadan. Ce Ramadan de cette année, encore une fois, mettons-nous à l'évidence, mes frères et sœurs, la crise dure, la situation, surtout ces derniers temps, ne tend pas à s'améliorer, en tout cas pas dans l'immédiat, raison pour laquelle de nouvelles mesures sont en vigueur depuis quelques heures, depuis quelques jours. Ça veut dire que nous allons encore une fois passer un Ramadan, pas comme les Ramadans précédents que nous avons passés. Nous allons passer encore une fois un Ramadan qui va être à peu près similaire que le précédent, le Ramadan de l'année dernière. C'était quoi? C'était un Ramadan sans tarawih en groupe. C'était un Ramadan pendant lequel il n'y avait pas forcément d'interaction physique, de manière physique, quoique, même si on a quand même une petite expérience maintenant. Ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui dans ces quelques minutes d'exhortation, mes frères et sœurs, c'est qu'il ne faudrait pas laisser la situation de crise, la situation de désespoir nous gâcher le mois de Ramadan. Malgré toutes les restrictions qu'il va y avoir, malgré tout ce dont on ne pourra pas faire, eh bien, l'expérience de l'année dernière nous a montré que, eh bien, malgré tout ça, on peut quand même faire en sorte que ce mois de Ramadan soit un des meilleurs de notre vie, voire le meilleur Ramadan qu'on a eu à passer depuis que nous avons commencé à faire le Ramadan. Comment cela se passerait-il? C'est en donnant le meilleur de soi-même. Il y a beaucoup, malheureusement, qui sont restés sur cette situation de crise. On ne peut pas aller faire les prières de Tarawih à la mosquée. On ne peut pas faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, ils restent comme ça, les bras croisés, comme si le mois de Ramadan se vivait uniquement en collectivité, en communauté. Bien entendu, c'est un mois
qui fait référence, qui amène cette effervescence autour de la mosquée, cette interaction, ces relations, cette générosité qui doit exister entre nous. Mais que, pas que, si on ne peut pas avoir toutes ces interactions, eh bien, il faut les créer au sein de soi-même. Au sein de soi-même. On a eu des témoignages de beaucoup de personnes qui nous ont dit, ben finalement, le Ramadan de l'année passée était le meilleur Ramadan qu'ils aient eu à faire. Comment ? Parce que ça les a poussés à donner le meilleur d'eux. Ça les a poussés à aller chercher toutes ces potentialités, tout ce dont ils étaient capables de faire, mais que, vu que voilà, c'était un Ramadan normal, ils n'allaient pas forcément chercher le meilleur d'eux. Et là, c'est soit tu fournis les efforts toi-même de manière individuelle et personnelle, soit tu fais rien. Soit tu fais rien. Et donc, vu l'évolution de la situation, eh bien, ça va quasiment être le même Ramadan que l'année dernière, avec quelques changements, quelques exceptions quand même, quelques avancées. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser cette situation de crise vous gâcher le mois de Ramadan. Ne vous reposez pas. Tu as vu, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et puis tu restes sans rien faire. Parce que rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit, le plus malheureux, c'est celui qui a l'occasion de vivre le mois de Ramadan et que jusqu'à la fin du mois de Ramadan, eh bien, le Ramadan y passe sans qu'il ne se fasse pardonner, sans qu'il ne soit lavé de ses péchés, sans que tous ses péchés ne soient absous et effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus malheureux, c'est le pire des malheureux. Donc, cette occasion, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que tu peux la vivre de manière individuelle. Tu peux la vivre de manière, si tu veux, familiale et restreinte. Eh bien, la situation se présente comme telle. Eh bien, saisissons l'occasion. Saisissons l'occasion. Il y a des gens, de toute leur vie, ils n'avaient pas lu tout le Coran en entier. Le Ramadan dernier a fait que, pour une première fois, une première dans leur vie, ils ont fait une khatma. Ils ont lu tout le Coran. C'est pas une ni'ma, ça ? C'est pas un bienfait, ça. Il a fallu être dans cette situation de crise pour que ces individus, pour que ces personnes, et pas une seule, beaucoup, hein, on a eu des témoignages de beaucoup de personnes qui nous ont dit, de toute leur vie, ils avaient un lien avec le Coran, mais aléatoire. Ils ne l'avaient jamais lu en entier. Mais que cette année, ils l'ont lu. Eh bien, c'était une première, c'est une ouverture. Ça prouve que, eh bien, on peut donner le meilleur de nous. On peut vivre le mois de Ramadan. Malgré cette crise qui dure, on peut profiter de cette situation et rendre le mois de Ramadan agréable encore une fois. Par nos journées et par nos soirées, si on ne peut pas prier dans les mosquées ne sont pas accessibles, elles sont fermées parce que le couvre-feu est en vigueur, il y a des restrictions, eh bien, faire de nos demeures, faire de nos maisons, faire de nos lieux d'habitation des lieux de prière. Nos maisons. Les maisons, en fait, ne doivent pas être comme des cimetières où on ne fait pas de prière. Nous devons faire de la prière à la maison et pas que les prières obligatoires. Et d'ailleurs, les prières surérogatoires, les accomplir à la maison, c'est encore mieux. Si vous regardez ce que disent les textes, les prières obligatoires à la maison, et il serait préférable, c'est mieux de faire les prières surérogatoires à la maison. Eh bien, nous avons une occasion de faire revivre cette tradition. Voyez, chaque situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose qu'Allah fait, il y a une sagesse derrière. À nous de comprendre et de profiter de cette sagesse pour en faire, même si ça peut paraître une crise, ça peut paraître une difficulté, à nous d'en faire une facilité et une ni'ma. Donc ça, c'était le premier message que je voulais faire véhiculer. Ne laissons pas cette situation de crise nous gâcher le mois de Ramadan.
La deuxième chose, c'est, elle est liée à la première, c'est de profiter pour faire de cette année, le Ramadan de cette année, un des meilleurs Ramadan que nous avons eu à faire de notre vie. Comment ? Eh bien, par l'intensification des activités, des adorations, des actes de culte. Coran, ne vous séparez pas du Coran tout au long du mois. Normalement, ça devrait être notre vie, mais Ramadan, si on n'arrive pas à voir cela tout au long de la vie, de l'année plutôt, eh bien, il faut profiter du mois de Ramadan pour renouer avec le Coran. Il faut profiter de ce mois de Ramadan pour revenir sur les liens de parenté. Combien sont ceux qui ne se parlent pas avec des gens de leur famille, des frères qui ne se parlent pas, des sœurs qui ne se parlent pas, des parents et des enfants qui ne se parlent pas, des amis qui ne se parlent pas. Vous savez, nous sommes dans le mois de Sha'ban, où le mois pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tous les péchés sont pardonnés quand on demande pardon, sauf à deux personnes qui ne se parlent pas, qui se sont coupées la parole. Leurs actions, leurs bons actes d'adoration restent suspendus jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Toutes ces occasions nous sont tendues par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire pardonner. Parce que finalement, Allah nous a créés pas pour nous châtier. « Ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum » Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gagné en nous châtiant si nous nous comportons comme il faut, nous avons l'attitude qu'il faut vis-à-vis de lui, vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres? Il n'a rien à gagner en nous châtiant. Il n'a rien à gagner en nous châtiant. Au contraire, il nous a créés pour nous faire miséricorde. Allahu latifun bi'ibadi. Allah fait preuve de douceur, de gentillesse, de bonté, de générosité, de pardon et de miséricorde vis-à-vis de sa créature. Il nous dit, mais si tout le monde l'adore, cela ne lui rajoute à rien. Si tout le monde le désobéit, cela ne lui diminue rien. C'est pour ça, d'où cette invocation, Ya Allah, ne nous châtie pas pour une chose qu'on n'a pas faite et que cette chose ne te sert à rien. D'où cette invocation. Alors, intensifions nos actes de culte, nos actes de dévotion pendant ce mois de Ramadan à travers la pluralité des actes que nous allons faire. Jeûner la journée, bien entendu, c'est le minimum. Faire des prières de nuit en famille, à la maison. Faisons revivre cette tradition du professeur Al-Sallam qui nous dit finalement prier les surérogations, puisque les prières de Tarawih résultent des prières, font partie des prières surérogatoires. Puisque si on ne peut pas les faire, nous réunir à la mosquée pour les faire, eh bien, profitons pour faire revivre cette sunna en famille, à la maison. Et puis, dernier élément, dernier message, nous savons que depuis plus d'un an, nous sommes dans une situation de crise. Et qui dit situation de crise va forcément parler de personnes vulnérables, de personnes en situation très, très, très difficile. On va parler de précarité. Nous savons combien de familles sont dans cette situation de précarité. Des étudiants, des personnes, des femmes isolées, nos voisinages. Cherchons-les, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité aussi. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Cette générosité, elle va peut-être nous faire parvenir à des degrés dans le paradis que le jeûne ou la prière ne nous fait pas parvenir. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, il y a des gens qui leur générosité vont leur élever et vont leur faire parvenir à des niveaux où ni la prière, ni le jeûne, ni un quelconque autre acte d'adoration
ne le fera parvenir. Donc profitons, faisons preuve de générosité, faisons preuve de partage, parce que c'est un constat de tout le monde. La difficulté, la misère, la précarité, elle est là. Elle est là. Partageons ce qu'on a, le peu qu'on a. Pour être généreux, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, il n'y a pas besoin d'avoir tout. Non. Dans le peu que tu as, il faut avoir une petite partie de ce dont tu disposes, tu le partages. Rappelons-nous, man fattara sa'iman, celui qui donne de quoi rompre le jeûne à quelqu'un qui observe le jeûne, il aura la récompense du jeûneur. Toi, tu jeûnes, tu as ta récompense, tu donnes à manger à quelqu'un qui fait le ramadan, qui jeûne, eh bien, tu auras la récompense de son jeûne sans que sa récompense ne lui soit enlevée ou retirée ou diminuée. Faisons preuve de générosité, mes frères et sœurs, de partage, de partage. On a besoin plus besoin de partage, de générosité pendant ce mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan.